Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil photo. Il s'agit d'un Voigtlander Vitessa qui est équipé d'un objectif Ultron 50 mm ouvrant à 2. Donc c'est un appareil qui a été fabriqué entre 1950 et 1954. Et il y a eu trois grandes versions. Donc la première, qui a été de entre 50 et 52, sur laquelle on avait un dos qui n'était pas détachable. Donc on avait un dos avec une charnière comme ceci. Et ensuite, à partir de 1953, on a un obturateur synchro-compour qui sera installé dessus. Donc déjà, je vais retirer le filtre. Donc celui-ci est en très bon état, il est propre et il fonctionne bien. Alors, pour l'utiliser, c'est très simple. On a le réglage de la vitesse à l'aide de la bague qui est juste ici. On voit la vitesse la plus rapide est à 500, qui est tout à fait sur le côté. Et la plus lente à 1 seconde et on a une pause. Ensuite, on a l'ouverture-fermeture du diaphragme qui s'effectue comme ceci. Voilà, là on va se mettre en pleine ouverture. Et le réglage de la distance, il s'effectue avec la molette qui est juste ici. Et on voit. On a une indication. On a un télémètre à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a une forme un peu particulière. Donc qui est couplée avec cette molette. Alors, la chose qui est vraiment la plus singulière sur cet appareil, c'est la façon dont il fonctionne. On arme l'appareil comme ça et on déclenche. Donc on a cette espèce de grand bouton très haut qui vient armer l'appareil et après on déclenche. Alors, ce bouton il sert également à fermer l'appareil. Enfin, à ouvrir l'appareil, pardon. Voilà, donc l'appareil fermé. On a ces deux portes qui viennent se refermer dessus. Donc l'appareil est assez compact. Et on appuie sur le bouton, voilà, de déclenchement. L'objectif avec l'obturateur sort. Et le grand bouton sort également. Donc ici on a le compte-vue. Et alors je vais vous ouvrir le dos de l'appareil. Donc on a un obturateur avec des pales. Voilà, donc c'est un appareil qui est vraiment bien fait. Il y a une qualité de finition. L'objectif est bien lumineux. On a un télémètre qui fonctionne bien, qui est bien visible. Et puis voilà, surtout niveau encombrement, il est relativement petit. Et à l'utilisation, il est très simple. Donc c'était une réussite pour l'époque. Et voilà.